Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui avec le signe d'air qui est le Verseau pour les énergies de ce week-end des 14 et 15 mai 2022. Alors, je vous retrouve avec une formule un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Mais voilà, je manque de temps pour faire les énergies, enfin l'horoscope complet. Malgré tout, j'ai quand même voulu vous offrir un petit quelque chose qui est tout aussi efficace, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous propose ce type de tirage, qui est donc, dans un premier temps, une énergie principale avec l'ange indigo, une réponse à une question que vous vous poserez donc avec les réponses angéliques. Et comme d'habitude, par contre, ça je n'y coupe pas parce que ça me fait vraiment plaisir de vous l'offrir. C'est un petit message positif et bienveillant que vous pouvez, que je vous propose surtout avec les murmures de nos anges. D'accord? Une précision concernant la question que vous vous posez, enfin une, deux précisions. La première, c'est de vous poser une question à réponse fermée, c'est-à-dire une réponse qui amène à une question qui amène à une réponse de oui ou de non, hein, et avec toutes les déclinaisons entre le oui et le non. La deuxième chose, c'est que si vous n'avez pas encore votre question en tête, ce qui est complètement logique, hein, vous avez la possibilité de mettre la vidéo en pause, d'accord? Et vous la reprendrez une fois que vous aurez trouvé votre question. Voilà, allez, on y va avec les énergies. Vous savez déjà. Alors là, on parle d'intuition, hein. On parle d'intuition, on parle de ressenti, on parle peut-être de doute. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre, quelle attitude à adopter, voilà. Mais en votre fort intérieur, il y a beaucoup d'hésitation pour vous ce week-end, les Verseaux, quelle que soit, hein, la situation d'ailleurs, le domaine. Il y a beaucoup d'hésitation, mais au fond de vous, vous savez. Vous savez que soit vous devez y aller, vous devez foncer, que soit au contraire, attention, danger. Voilà, vous savez. Hein, vous savez ce qu'il en est. Si on vous a proposé une invitation à partir en week-end avec. Que ce soit en famille ou avec un compagnon, une compagne, voilà. Ben vous savez déjà, vous hésitez peut-être parce que, oh là là, partir avec mes frères et sœurs, enfin, ou avec mon frère, avec ses enfants, ça crie toute la journée, il ne s'entend pas avec sa femme. Bon, ben voilà, hein, vous savez que c'est peut-être pas la bonne idée de partir. Peut-être que vous ne vous entendez pas très très bien non plus avec lui et qu'il vous a proposé ça, voilà. Ou que ça a été vu, c'est plutôt vos femmes, vos épouses ou en tout cas vos conjoints ou conjointes qui ont vu ça ensemble et finalement, voilà. Et puis d'un autre côté, ça peut être au contraire, vous hésitez parce que vous n'arrivez pas trop à vous faire confiance, est-ce que je pars ce week-end, est-ce que je peux partir de la maison en laissant mes enfants on m'a proposé un week-end où je dois travailler, je ne devais pas travailler. Enfin, voilà, on sent beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Mais vous savez aussi que dans certains cas, il y a un manque de confiance. Hein, il y a un manque de confiance en vous. Vous hésitez parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Au travail, on peut vous confier une mission et « Ah là là, comment je vais m'y prendre »« Est-ce que je ne devrais pas lui dire que je n'en suis pas capable ?» Non, 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 hein, voilà, enfin, non, 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 c'est plutôt à vous, vous savez si, vous savez au fond de vous, voilà, c'est vraiment intérieur, hein. Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par votre ressenti. De toute façon, la première impression est toujours la bonne, hein. Si au prime abord, il y a ce, ben voilà, ça veut dire que non, vos warnings se sont mis en, se sont déclenchés et il y a danger. Si au contraire, on vous fait cette proposition et oh là là, vous jubilez et puis après coup, vous réfléchissez, vous dites « Ah mais non, mais je ne vais pas en être capable et tout. » Non, non, ça après, c'est l'ego qui parle. Hein.
L'ego est toujours là pour vous ralentir, pour vous freiner, pour vous empêcher de. L'ego est souvent là, comment dire, pour mettre les bâtons dans les roues. Donc non, laissez-vous guider par votre première impression et tout se passera bien. D'accord? C'est important pour vous les Verseaux ce week-end. Allez, on y va pour le message. Oh, bah alors. La réponse à votre question est un grand oui. Hein? Donc, oui, vous savez déjà. Oui, vous le savez parfaitement. Aussi, hein, je réponds à une question que vous ne m'avez pas posée, mais oui, vous le savez déjà. Et c'est sûr et certain. Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Voilà pour vous. Donc, un grand oui, hein, le grand oui avec les changements positifs, même le vous savez déjà, hein, dans une certaine configuration, foncez, hein, j'ai envie de dire, là, tous les feux sont au vert, hein, on ne peut pas mieux vous dire, hein, les amis Verseaux. Voilà, bah écoutez, sur ce magnifique tirage, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.